terminé là. Ouais. Il y a un coup de sifflet. Est-ce qu'on va aller jouer ces 2 secondes et 8 dixièmes, Yvon? Et Gary Gregson, sinon on ne jouera pas les 2 secondes. Ben non, ça sert absolument pas de décision. Les Rangers, voilà Wayne Gretzky sera là. Pour se reposer, peut-être que l'autre série pourrait se prolonger encore davantage. Absolument. Entre Denver et puis Détroit. Et les Flyers, rappelons-le, sont en santé. Oh, je comprends là. Une équipe brisée par les blessures. Gretzky n'était pas à 100%, mais quel spectacle il nous a donné quand même lorsqu'après avoir discuté avec Terry Murray, il avait toute la latitude voulue pour sauter à sa guise sur la glace. Et voilà l'idée. C'est Eric Lindros, Yvon. Ouais. Quel leader au cours de cette formation. Et quand il nous a dit à Denver qu'il avait reçu un message de Mario Lemieux, je pense qu'il a enfin compris une chose, c'est d'éviter le bord des pénalités. Je pense qu'on a vu un nouveau Eric Lindros. Hein? Ouais. Extrêmement intense, on le savait. Mais un gars qui finalement a accepté, assume son leadership. Et voilà. Vous allez voir Lindros avec Gretzky. Ravitaille. Avec le gardien du Ron Hextall, Hextall qui a été bien protégé par une défense hermétique aujourd'hui. Alors, Luc Robitaille lui a arrêté 2 chances incroyables. Dans le match numéro 4 qui aurait permis aux Rangers de prendre les devants 1-0 et aujourd'hui encore une fois. On a vu Gretzky féliciter Ron Hextall en lui donnant 3 bonnes tapes sur l'épaule en disant « Bravo, tu as joué de façon excellente lorsque tu as été ramené dans la mêlée en relève à Gord Snow ». Mais de toute façon, les Rangers en ont surpris plusieurs. Personne ne les voyait jouer vraiment en finale de l'Association de l'Est. C'est vrai, il n'y a pas grand monde qui les voyait là. Il y a eu le travail colossal de Mark Richter, notamment dans la série contre les Devils du New Jersey. Une équipe des Rangers qui s'était concentrée sur la défensive. Mais les Flyers sont tellement puissants en attaque. Échec avant également, c'est une équipe qui exerce de la pression et ce sera une équipe agréable à voir à l'heure dans la série finale de la Coupe Stanley. Là, on amène le trophée Prince de Galles au centre de la glace pour le remettre au capitaine. Voilà une première étape de franchise. C'est le championnat de l'association Est de la Ligue nationale avec les Flyers de Philadelphie comme récipiendaire de ce trophée. C'est M. Terry qui est un des vice-présidents de la Ligue nationale qui remettra le trophée au capitaine Eric Lindros. Voilà un premier trophée à porter à bout de bras, mais c'est pas celui-là qui veut au-dessus de sa tête. Absolument. C'est la Coupe Stanley. Je me rappelle un commentaire pendant de Terry Murray après l'élimination des Flyers contre les Devils de New Jersey en 1995. Les Devils qui devaient gagner la Coupe Stanley cette année-là, il avait dit « D'ici 2 ou 3 ans, nous serons au rendez-vous. » Parce que Eric Lindros deviendra un meilleur joueur, notre équipe va grandir, on va l'améliorer. Et c'est exactement le programme qu'ont suivi les dirigeants des Flyers. Parce qu'ils ont d'excellents joueurs. On n'a qu'à penser à Terrien, dont tu nous as parlé. Ninima également, dont tu nous as parlé. Mais Zobrus, quel avenir pour ce jeune joueur qui est Zobrus.